Aujourd'hui, un moment extrêmement important, puisque avec les maires de l'agglomération, les maires des cinq villes et moi-même en tant que président de la communauté urbaine de Cherbourg, nous venons de présenter ce projet de commune nouvelle et pourquoi nous pensons que c'est un sujet stratégique et un sujet d'avenir pour notre territoire, donc encore une fois avec la CUC et les différentes municipalités. Alors le projet de la commune nouvelle, c'est l'union des cinq villes de l'agglomération et de la communauté urbaine dans une seule entité administrative, que le législateur appelle une commune nouvelle, donc une nouvelle commune de 82 000 habitants, pour demain, en s'unissant, être plus visible et plus fort, et pouvoir ancrer notre territoire dans une politique de développement, tout simplement, dans la Normandie de demain. Et je vous rappelle que demain, dans la Normandie réunifiée, notre agglomération doit trouver sa place à côté de territoires comme Caen, comme Rouen et Le Havre. Et le projet de commune nouvelle qui est aussi possible grâce aux législateurs, eh bien, nous souhaitons nous en saisir collectivement ici pour être plus forts demain. Alors le passage en commune nouvelle en termes administratifs, c'est au 1er janvier 2016, mais c'est une longue aventure, un long chemin au service des habitants, au service d'un projet de territoire. Donc l'aventure débute aujourd'hui. J'espère qu'elle nous emmènera vers cette commune nouvelle, bien évidemment. Mais encore une fois, les choses ne sont pas figées et nous avons le temps, avec les habitants, avec les différents conseils municipaux, dans le cadre de débats organisés, de réunions publiques, d'avancer sur ce sujet qui doit intéresser à la fois les agents des collectivités, la population, bien entendu, et tous les élus pour demain créer un territoire nouveau. À bientôt sur tevie.tv.